Ok, c'est bon. Ok. Bon, cher Jamie, on est bien chez Café Renault. Drone Bignancourt, comme c'est la fin de l'année, vous le savez tous, la fin de l'année, on mange beaucoup, beaucoup. On mange quoi en général la fin de l'année? On mange beaucoup de fruits de mer, tels que on peut manger des moules, la Saint-Jacques, le homard. Aujourd'hui, on vous présente juste un petit quelque chose, une petite surprise à vous annoncer. C'est un produit qui coûte très 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 cher. On appelle ça homard bleu de la Bretagne. Ça vient de la Bretagne. Donc vous voyez, c'est pas de la rigolade. Hein. Il est bien vivant, hein, l'homard. Hein. On appelle ça homard bleu de la Bretagne. Pourquoi la Bretagne? Parce que ça a été pêché à la Bretagne. Bon, maintenant avec l'Union Européenne, bon, on produit un peu partout. Mais d'origine, ça vient de la Bretagne. Donc voilà. Donc, on vous conseille à venir déguster l'homard bleu de la Bretagne au Café Renault, si vous aimeriez bien. En tout cas, nous, on aimerait bien partager avec vous, on aimerait bien vous faire goûter notre qualité de cuisinier chez Café Renault, Serge Ami. Et puis, voilà quoi. Donc, tout à l'heure, on va faire la cuisson de l'homard bleu de la Bretagne. Si on aura le temps de filmer, pourquoi pas, une petite démonstration pour vous montrer la façon de cuisiner l'homard bleu de la Bretagne. Et puis voilà, c'est un produit qui coûte très cher. Il faut prendre soin. En conseil, la cuisson de l'homard bleu en Bretagne, il faut prendre soin. Il faut prendre soin, c'est pas un produit qu'il faut rater, c'est un produit à ne pas rater, car homard trop cuit, c'est l'argent jeté à la poubelle. En conseil, Serge Ami, à très très bientôt, et à très très bientôt, une prochaine vidéo. Inch'Allah.